Alors, si on revient sur le match hier soir, en effet, premier match de play-off à Berne hier soir. Alors, bien, c'est sûr, premier match de play-off, les deux équipes étaient extrêmement tendues, surtout Berne qui jouait un match important pour eux à la maison, hein, sachant qu'ils avaient dominé le championnat. Mais nous avions un plan de match, nous l'avons respecté du début à la fin et nous avons pu aller chercher cette victoire en prolongation qui est extraordinaire pour nous. Alors, nous, on est en mode play-off depuis maintenant quelques matchs. Hein. Ça fait un mois qu'on se prépare. On a eu notre dernier match de championnat pour se qualifier. Donc, nous, on est dans un mode play-off déjà depuis un certain temps. Donc, c'est une certaine routine pour nous. Par contre, hier, peut-être qu'il y avait un doute sur le fait qu'on puisse battre le premier du championnat. Et ce doute, il est enlevé maintenant. Maintenant, simplement, il faut confirmer. Et c'est peut-être là de garder les émotions encore hautes, mais aussi de les maîtriser un petit peu plus. Alors j'encourage tout le monde à venir encourager les U17 Elite dimanche à 17h sur la piste 1, hein, donc la BCF Arena, où nous allons jouer notre deuxième match de play-off contre le CP Berne. Et nous avons besoin du soutien de nos fans qui peuvent se préparer pour les play-offs de la première équipe.